Mais l'idée, c'est vraiment pour calibrer sa levée de fonds, de dire sur les 18 à 24 prochains mois, j'ai un milestone opérationnel à passer, quel est le besoin financier qui en découle? En fonction de ça, les entrepreneurs, effectivement, ils ont tendance à être plutôt très optimistes sur leur business plan. Et donc, l'exercice de l'investisseur, c'est toujours de faire ce qu'on appelle un stress BP, un stress test, en fait, qui est de dire, on met à mal le BP pour voir quelle est sa capacité de résilience. Et est-ce que le montant, justement, qui est défini par ce business plan, est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'au contraire, il est trop ambitieux?